Qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à nous, chers frères et sœurs, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je suis complète pour votre din. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et je suis complète pour faveur aux autres. Wa raditu lakum l'islam dina. Et je suis satisfait l'islam comme votre din. Le verset qui vient de descendre, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hajj, que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître, qu'il incomplète le din islam. Quand nous pose la question, ben l'islam c'est quoi? L'islam c'est pas une religion, comment il n'a capable de penser. On dirait que l'Isis vient une façon pour endoctriner toi. Mais l'islam vient un mode de vie. Qui là-dedans est dans ce côté spirituel et que là-dedans est dans ce côté transaction. Ça même qui nous dit ce ribada et que ce muamala. Ce côté spirituel là fait la personne ado un seul bon Dieu. Sa côté muamala, transaction, li fait li en tant qu'un humain sur la terre. Pas gain difficulté, pas gain problème, parce qu'il te peut faire li de façon qui, créateur du monde, il fait li comme la loi, comme règlement pour te vivre. Donc, de là, chers frères, un dimoun pas bizin. Il rentre dans l'islam, il convertit pour vivre l'islam. Il est capable de faire vivre l'islam de son muamala, de son transaction, de son business, de son façon de vivre, de son habillement, de son façon d'agir avec ce bonne personne qui est alentour de lui. Il peut vivre l'islam. Il va convertir non rien. Mais étant sa perception rentrée, ton bizarre rentre musulman. Mais quand il connaît quelque chose haram pour qu'il vous joue contre lui, l'exemple intérêt. Il n'a pas besoin de venir un musulman pour ne pas prendre l'intérêt. Il connaît Michel Blanc, il met l'intérêt dans la banque pour finir toi, tu dis moun. Donc il reste loin avec ça, mais c'est même qu'il a la loi de l'islam de toi. Ou gagne la liste, ça frère. Ou gagne la liste. Il n'a pas retourné 10 le musulman. Un non-musulman qui a suivi lui. Donc de là, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, « Ya ayyuhannasu qad ja'atkum mawridatu min rabbikum » O ban dimoun, humanité en entier. « Ya ayyuhannasu o ban dimoun, qad ja'atkum mawridat » Et là, un rappel, il vient vers eux. Veut dire Coran, même tu n'as pas envie de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais tu as envie de suivre ça qui est là-dedans, suive-toi. C'est plutôt du bien ça. Pas de dire toi, vie de musulman là. Parce que ça qui est là-dedans comme règlement, c'est point du bien pour toi ici ça. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire lui, qu'il dit à eux, qui s'en a? Dis-toi, Ya Yuhannas, O ban dimoun, l'humanité en entier, Inni Rasulullah ilaykum jami'a, Mo en messager vers tout. Pas peko zis avec musulman naskor, peko avec l'humanité en entier. Tu écoutes message là, tu n'as pas envie d'écouter, tu n'as pas envie de suivre lui. Tu écoutes mes messages là, tu as envie de suivre lui, mais tu n'as pas envie d'adorer un seul bon Dieu. Tu es libre. L'islam n'est pas pour mettre ça en bas de ton pour te rendre dans l'islam, non. Au contraire, il dit nous, là, il croit à Fiddin. Il n'y a aucun forcing dans Din. Tu es venu. Et il a fait une reste avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de Madina pendant combien d'années? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam jamais indié lui. Qui te dit? Pourtant, avec Sana, avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Parce que ça va dans la loi qui est là, quand on lit dans le Coran, quand on lit dans un récit prophétique, premièrement, il pointe du bien pour toi, l'individu. Il pointe du bien pour toi en tant qu'un humain sur la terre. Il pointe du bien pour toi de ta famille et surtout pour sa société. Là. Parce que c'est ça que l'individu nous crée la société. Donc, quand tu peux obéir à ça, sans qu'il te rende toi compte, tu peux amener du bien dans la société. Donc, ce bon règlement qui est là, ce n'est pas bon règlement pour ton vie musulmane. C'est bon règlement humain pour être capable de vivre la terre. Et là, donc, je ferai ça qui est avec nous pour aujourd'hui, c'est à te faire bout. Vérifier l'information que tu as gagnée. Tu n'as pas besoin de musulmans pour te faire ça. Mais seulement nous entendons un musulman, donc Quran dit-nous, rappelle-nous, mette-le en face devant nous, n'importe qui nouvelle qui vient vers toi, pas prends-lui la monnaie comptant. Parce qu'il te peut vivre en l'époque qui peine à Abu Huraira pour qu'il verra pour toi message. Vérifiez-le. La vérification d'une nouvelle, c'est un signe qui s'adit bouna, comment nous dire, il y a une personne de bonne foi. Il y a une personne qui a une bonne intention. Il n'y a pas de prendre toute l'information qui vient vers lui. Là, on est content. Quand tu peux guetter le Coran, tu peux trouver. Vous connaissez mon service à Banmola parce que quand mon personne veut guetter, je peux trouver des comment dire, venir pour enregistrer moi. Là. Donc, je facilite les autres pour ne pas avoir des difficultés comme vous causez. L'histoire divine de Christotul Ifk, l'histoire du mensonge qui amène lui l'un événement épouse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est le mot d'ordine islam nous apprend Al-ribra bi rumum il-laf du laitha bi khusus sabab. Laissons nous gagner les paroles qui nous disent nous et non pas la raison qui nous descend. La raison qui fait apporter ayat 11 de sura 24, de chapitre 24, une cause concernant vérification de mon information, c'est basé sur l'otas qui banat met le raïch et radiallahu anha. Mais seulement, l'ivine de nous pratique de nous la vie de tous les jours. Pour qui, en tant qu'un humain, si vraiment tu as de bonne foi, et plus encore en tant qu'un musulman, quand une information vient vers toi, vérifiez-le. Pas vérifier une information qui vient vers nous, chers frères et sœurs, comme il y a la case cassée comme ça. La case. Menace. Pas vérifier une information comme il y a belle-mère, belle-fille, zane, belle-sœur, oncle, belle-sœur, cousin, il n'arrête de causer net là. Il bloque tout. Juste la cause, un tel indien, ça l'eau, toi, je ne peux pas vérifier, ce n'est pas livré. Par vérifier l'information, chers frères et sœurs, combien de désordres il a fait dans une société? Combien de désordres il n'a pas fait entre citoyens? Parce que c'est lui qui gagne l'information là, il peut dire de bonne foi. Il sait. Parce que n'importe qui l'information qui vient vers moi, moi, j'ai besoin de réfléchir avant. Est-ce que c'est ça qui te peut dire la vraie? Pour nous, dans l'islam, nous trouvons dans le chapitre 49, sur la 49, Fujrat, que Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, « Ya ayyuhalladhina amanu indja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. » Au bankena iman. Quand un fasiq, un désobéissant vient vers toi avec une nouvelle, vérifiez-le. Vérifiez-le. Qui fait? Parce qu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, attention qui te fin, fatus bihu ala ma faraltum, nadimin. Attention qui te regrette, ça qui te fait là. Get depuis quand Allah dit à nous, ça frère. L'India ça pour qui ça n'a? Pour juste la scola? Pour juste musulman?
Non, ton vie mettez en pratique, toi aussi mettez en pratique. Mettez-le en pratique. Gete un coup, tu n'es pas obligé de vivre musulman pour mettre ça en pratique. Tu n'es pas obligé de vivre musulman, toi. Mais seulement, gete comme il y a du bien. Ça, ça pourra pour toi. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, premier, les sécurise. Ça dit, moun qui peut passer dans sa bain là. Paul lui dit, il t'arsebou, chargeon lakoum. Toi, tu es quoi? Il n'est pas bon pour toi. Bal huwa khairu lakum. Au fait, il est bon pour toi. Hein? Veux dire, tu peux bien passer dans un moment, quand tu es là, une mauvaise nouvelle pour passer l'autre dans la vie. Prépare-toi pour ça. Pas nécessaire de monter au mimbar, ça. Hein? De ton travail, de ton école, de ton leçon, de voisinage, pour bien une mauvaise nouvelle passer l'autre. Première chose qu'il y a à faire, lui adresse à sa dîmoun là. Par quoi ça va bon pour toi là? Hein? Il est bon pour toi. Bal huwa khairu lakum. Qu'on ait du bien pour toi à l'os. Il finit sécurisé. Donc le musulman, il finit préparé pour ça. Qui pourrait avoir de l'information? Qui pour venir de sa façon là? C'est pour ça, chers frères, nous vous trouvons dans le savant de l'islam. À l'exemple de Imam Shafi'i rahimahullah, quand il dit Al-hukmu bayna an-nas yaqab ala ma yasma'u min al-khosmain bima lafadhu bihi. Pour ne pas faire un jugement en dimoun, tu bizan écoute tous les deux côtés ce qu'ils ont dit devant toi. Bima lafadhu. Pas ça qui est capable d'arranger ou bien une vin dire toi, tu commences à dire là, non. Ça l'islam. L'islam montre toi, pour ne pas faire un jugement, faudrait tous les deux monde cause devant toi. Les là, tu ne pas faire ça. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il plie devant. Ibn Qudama, rahimahullah, lui dit Bal yambari en yuthbit hal baina hum radawatan wa hasad. Et tu obligé connaît. Si pas entre les deux, et na l'ennemi ou bien la jalousie. Subhanallah. Get l'islam, c'est quoi? L'islam, ban savon qui ne vini, dis-toi comme ça quand un qui ken peut rapporter toi une petite chose. Gete, tu n'as quitté l'ennemi pour lui, toi? Tu n'as quitté jalousie pour lui? Combien de questions nous finissons éviter, frère? Combien de questions nous finissons éviter? Blie un ticket, ça qui peut repasser dans la tête là, là, hein? Allez, nous venons, Inch'Allah. Get de la case même. Quand grand belle il vient avec vous, dit hey, dimanche, quand tu es allé, tu connais. Et tu es grand belle mais tu ne disais pas qu'aujourd'hui. Les temps me rentrent dans ma zid, il dit hey, comment le fois là où aller là? Vous connaissez qui imam, il dit mais toi même, tu n'as pas obligé de faire namaz là. Tu n'as pas un problème à lui personnel, toi? La cause qui te fait faire ça là? Frère. Ça que l'islam mettait pour un dimoun y arrive au terre pour être capable de prendre une décision. Aujourd'hui, malheureusement, il va comme ça. Aujourd'hui, tu as envie de monter, tu as besoin de venir dans le même seigneur avec moi. Une petite chose de base, pas une vraie. Si à l'époque, tu as besoin de vérifier un des dimoun avant de nous passer une nouvelle, aujourd'hui, combien vérifier ou besoin de vérifier, frère? Aujourd'hui, combien vérifier ou bien vérifier? C'est pour ça que Omar bin Abdulaziz, Rahimahullah, lui dit à nous, si un dimoun vient avec moi, avec son haine la grandigie de son ami, il dit, là, ahkoumou lahou, je ne pas pour faire aucun jugement pour lui. Aussi longtemps, mon père écoute l'autre là, parce qu'il est possible que ça n'entienne l'autre là, dès la grandigie. Ça, l'islam, frère. Si un dimoun vient vers moi, Omar bin Abdulaziz qui peut causer là, hein? Avec un lagrin ligier de son lami, qui a été sacré ou sacré là? Il dit, moi, je vais aller dans juste là. Tant qu'il ne pas amène ça à l'autre dimoun là, parce qu'il est possible, toi, tu ne l'autre là, sur des lagrins ligiers. Get l'islam à qui point? Montrez-nous pour y vérifier une nouvelle, frère. Nous allons un petit guide pli devant.
En même temps, l'islam enseigne nous, en tant qu'un musulman, en tant qu'un celui qui n'y a shahada, te disant, te l'honneur, te cas sacré. Mais pas juste pour toi, pour ça l'autre musulman là, ici. Pour ça l'autre musulman là. Donc, quand on a fait qu'aucun lit, tu as besoin de défendre. Quand on a fait jouer sur l'honneur, tu as besoin de défendre. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de la guerre Tabouk, quand il est sorti, Kab ibn Malik, radiallahu anhu de Madina, et pourtant, Kab n'a pas pu venir de la guerre là. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, écoute Kab ici, hein. Parce que Kab, radiallahu anhu, est interdit pour sortir, et il vraiment n'est pas venu de la guerre là. Chers frères, de ce moment-là, Mouad ibn Jabal, radiallahu anhu, dit, Ya Rasulallah, la na'lamu lahu illa khayra. Ya Rasulallah, vous connaissez, pour ça, Kab, là, ou bien, retenez une nouvelle, nous, par contre, n'avons rien de l'olie, excepté, bon, quelque chose. Il finit de faire avant, frère. Pas de manier, n'avons rien, là. Mais avant, qui, tension, mais qui fait, il va venir, ça va une question, là, venir, il finit de dire, Ya Rasulallah, nous, par contre, n'avons rien de l'olie, excepté, bon, quelque chose. C'est un musulman, frère. Lilo a un petit niveau, Lilo a un grand niveau. L'injustice passée, vous avez causé. Et surtout, si vous avez quelqu'un qui se dit sans sacré, vous avez causé. C'est pour ça, chers frères, parmi l'exemple qui vient avec nous, c'est quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait ce outil. Avec ce bon compagnon, il y a une autre visite. Il pose autre question, il dit à autre, Aina Malik, ibn Dukhayshin. Il pose une question à un tel côté. Son nom c'est Malik ibn Dukhayshin. Vous connaissez un sahaba qui dit, Zalik al-Munafik, c'est hypocrite là. Pour un sahaba dire ça, faudrait qu'il trouve quelque chose par réglo avec lui. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à lui, pas dire ça. Alla ta'lam annahu qala la ilaha illallah yabtari bihi wajhullah. Il dit, tu ne pas qu'on ait un qui nous a dit la ilaha illallah, libéraux de le plaisir d'Allah. Tu ne pas qu'on ait, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam continue à dire, tu ne pas qu'on ait un seul qui dit la ilaha illallah, et libéraux de le plaisir d'Allah, excepté qu'il dit un avis obligatoire pour lui. Ça qui le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam amène nous comme l'enseignement, frère. Quand un quelqu'un dans nos présences, peut cause nos cousins, peut cause nos frères, peut cause un tel, allez, finis mon objet pour moi là. Moi, je veux bien passer, Ali. Ça pas l'islam. Ça pas l'islam. Même quand c'est un passé, Ali, dans son absence, défends-toi. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, finit faire à un niveau, pas juste ce bon compagnon, finit. Fin comprend lui, excepté qu'il lui-même, lui mette en pratique, frère. Lui défend sa sahaba, qui banne les autres, peut dire qu'il y a un hypocrite, qui fait, parce que ça l'enseignement qui vient vers nous. Quand un qui peut subir l'injustice, se disant, se casse, se l'honneur sacré, excepté qu'il dévoie un musulman pour lui. بولي ديفاني بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون مفنجي ساكيزو فينتوندي واستغفر الله لي ولكم دمان الله سبحانه وتعالى بادو بوما إبوزوت ولسائر المؤمنين إبوتوبا قوايان فاستغفروه دمان لبادو إنه هو الغفور الرحيم.